lorsque l'on a 16 ans. On se meurt dans un bar devant un verre vide. On aime la musique, les lustres éclatants. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. On marche des minutes sous ce ciel gris-noir. Pour revenir ensuite dans un lieu mal famé. On essaie de parler mais on n'est pas bavard. On se demande pourquoi tant de temps ont passé. Puis un jour une fille au grand mouvement vif s'assoit pas loin de vous et vous la remarquez. Et comme elle vous trouve immensément naïf, dans le fait du hasard vous l'avez embrassé. Pas très longtemps plus tard, seul et plein d'innocence, on aime les beaux yeux de cette jolie fille. Ce n'est que peu après cette dernière danse que ce sentiment fou vous a donné asile. Bien heureux en étant avec elle, et vous croyez longtemps qu'elle l'est aussi. En la voyant si douce, en la voyant si belle, vous vous sentez un homme et vous aimez la vie. J'ai vu mon temps finir, et l'on voit dans ses yeux un amour qui s'enfuit. Il s'en va vers la grâce d'un autre qu'elle admire, qu'il adorait un soir, va bien daigner vous dire. Meeting my love. Demande un verre pour le revoir vide. On n'est pas sérieux lorsque l'on a 16 ans. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. Meeting my love. Meeting my love. Je crée un micro avec ça. Putain. On va se prendre pour le général de Gaulle, gars. Deux. Est-ce que tu entends la voix du mec bizarre? Ouais, ça a l'air plutôt propre. Bon, j'ai l'air con quand je parle comme ça, mais on se croirait, tu sais, au fond de la cave en train de devoir donner le message pour la résistance. Et en plus, je suis sûr, le son, il est de qualité.
Alors le micro est fait avec le micro d'un ordinateur portable démonté, donc j'ai les deux petits câbles qui donnent le petit jus, et j'ai déposé à l'envers sur une surface plane du micro un verre en inox. Et si je pète la qualité à 150 boules ou 300 boules de Bertie, mort de rire. Bon, c'est vrai que j'ai l'air con là à parler comme ça, mais c'est la vie. Enfin bref, qu'est-ce que je pourrais bien nous raconter? On est le 21 juin, apparemment on est au solstice d'hiver réunionnais. Une petite cigarette. Aïe, j'ai mal au genou. Je vais sentir à nouveau faire ma phrase. Une en plus, j'ai dit, c'est vrai. En plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs numéros. Faut-il en amour, j'ai pas sorti, je me suis auto-censuré. Enfin, auto-censuré plutôt par pudeur, plutôt que par honte. Enfin, vous savez très bien que j'ai naïvement décidé de me détacher de toute forme de vergogne envers la pensée incomprise, ou les penseurs incompris. Je suis un penseur incompris. Putain, hier j'ai eu ma première situation réelle de défense à la maison. L'agresseur étant plutôt blanc, corpulence 75 kilos plus. Une taille, ouais, pareil, pas immense, 75-80. Petit bonnet noir, teint pâle. Un peu gras du bide, hein. Le mec, apparemment, il tourne autour de la maison. Il arrive dans la porte de notre chambre. Elle coince un peu la porte, tu vois, elle bouge avec le temps. Du coup, il doit taper à trois reprises pour l'ouvrir. Il arrive à l'ouvrir. Au début, je me dis, c'est un fantôme, truc de fou. Je me lève, je me sgueule galère. LOL. Elle est là! Je course un peu dehors sur la terrasse. Il se retourne. Il commence à faire l'attitude agressive vers moi avec une droite. Coup de pied, je retombe. Le hic, c'est qu'en ce moment, j'ai le majeur qui couine. Enfin, je crois que je me suis luxé le majeur, après un ostéo. Donc, je peux pas faire grand-chose. Et de toute évidence, je ne suis pas un maître des arts martiaux capable de neutraliser quelqu'un et de le rendre inoffensif avec la main gauche. Moi qui espérais être fort, en réalité, je connais qu'un enchaînement. Et quand j'ai plus de main droite, je suis inoffensif comme un bébé. Bon, il cale sa droite, elle rentre dans la garde facile. Là, je me dis, tiens, ça tapait plus fort que d'habitude quand même. Le poing était plutôt solide, je savais pas ce qu'il avait dans la main. Je dis, j'ai pas envie de me faire découper, tout ça, je rentre. Je me prends un putain de placard dans la gueule et dans le genou. Mort de rire. J'ai le mobilier qui m'a plus blessé que le voleur. Et là, on entend le putain de bruit et tout. La baie vitrée, il passe à travers une baie vitrée. Je sais pas, je l'ai pas vu passer à travers une baie vitrée, mais j'ai pas trouvé de pierre qui l'aurait lancé. Et voilà quoi. Il était minuit et quart, minuit et quart, le 21 juin 2020. Ah, pourquoi je fais ça? Ouais, je sais pas. Peut-être reprendre une quotidienne, une actualité. Poster du son, poster ma douce voix. Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à raconter depuis que j'ai abandonné les ondes youtubiennes? Ah non, mais en tout cas, le matin au café, me remettre comme ça et balancer un petit one shot en disant plein de trucs sur la vie, ça pourrait être rigolo, tiens. Bon, déjà, quelle est mon opinion idéologique? Il paraît qu'il y a un gros trou, il faudrait peut-être que je m'amuse à dire ce que je souhaite pour la planète. Je sais pas. On aurait dû acheter du bitcoin, mes copains. Oh, drôle. Comment je vais appeler cette truc? Je sais pas. Coronavirus.
Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais bon, je me soumets à votre attention et à vos recherches, si vous voulez confirmer ou infirmer ce que je dis. Mais à ce qui paraît, pendant 15 jours, on aurait injecté au vieux des EHPAD du Rivotril, un médicament pour les épileptiques à la base, hein, bizarre pour le Covid. Et en plus, apparemment, qui est contre-indiqué pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Je sais aussi que le Rivotril est une drogue que les tocos apprécient allègrement. Donc, décemment pensé qu'on aurait eu 20 000 vieux au pic de la crise Covid qui ont été euthanasiés pendant 15 jours au Rivotril en leur donnant le dernier trip de leur vie. 20 000 sur 27 000 à la fin du comptage. Et ce qui est drôle, c'est que ça s'arrête du jour au lendemain, quoi, les morts du Covid. Et ce qui est aussi drôle, c'est qu'apparemment, il n'y a personne qui est mort de la grippe cette année. Ouais, bon. Bon, après, c'est facile de dire que le Covid, c'est de la merde. Il y en a d'autres qui disent, apparemment, bah, ce que j'ai retenu des recherches de Dre, c'est Covid Certification of Vaccination Identity. Et un œuf, c'est Artificial Intelligence. Donc bon, hein, ça pourrait être ce qui nous amènera au puçage généralisé RFID, mais par la nanotechnologie des vaccins. Ouais, c'est une théorie qui peut bien se défendre, surtout quand tu sais que Bill Gates est dans le coup de la vaccination mondiale. Quoi dire d'autre? C'est vrai que je suis aucune actualité. Oh, Dieudonné, je sais rien, ouais. Je suis très bien à l'actualité, ouais, je revois. Bon, hein, bien sûr, les chambres à gaz n'ont toujours pas existé. Oups. Ah ouais, tiens, avec le recul, j'ai su regarder toutes les vidéos que j'avais postées et tout. Et ben, devine quoi, il n'y a que Tonton Florisson qui s'est fait péter sérieusement, quoi. J'ai même été obligé de retirer les tuiles en haut de la capture parce que il y avait Conversano qui commençait à regarder tous les trucs. Ah non, c'était pas Conversano, c'était le sataniste Priest, là, je sais pas quoi, Morgan Priest. Il commençait à regarder toutes les vidéos que j'avais postées. Dedans, il y avait des interviews à la con de Dieudonné. Et du coup, je me suis ramassé plein d'avertissements. Je préférais arrêter les frais. Pas envie de faire supprimer cette chaîne. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? En fait, c'est chiant, j'ai l'impression de tout avoir dit. George Floyd. Alors, est-ce que pour vous, George Floyd, c'est un coup à la Boston ou un réel noir américain qui s'est fait tuer? Bon, je vais m'amuser à balancer une théorie sur George Floyd. Un coup de l'État profond en opposition avec Trump pour déstabiliser et plonger le pays dans une guerre afin de fragiliser la popularité de Trump. Donc, on prend un flic bien pourri ou même on prend un noir comédien, apparemment, il faisait de la franc-maçonnerie, Floyd. Et il est vrai que quand on regarde plusieurs vidéos et tout, bah déjà, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas cherché non plus, mais il serait intéressant de voir les bandes de vidéosurveillance sans la coupure préprogrammée de des chaînes de télévision. Et c'est vrai que sur les quelques vidéos donc, que j'ai vues, à un moment ils sont quatre, après ils sont plus que deux, ceux du début c'est pas ceux de la fin, et au fait au début, enfin, si ça a duré plus de 8 minutes, quoi, si on considère le mec était au sol déjà quand il y en avait quatre, et qu'apparemment il n'y avait toujours pas de gars qui filmait, quoi. Donc la réalité n'est pas vraiment vérifiée par rapport à ce qui a été prétendu sur l'affaire. Je crois que c'est vraiment un fake, quoi, du cinéma. C'est trop grossier, quoi, le noir américain tué par le flic raciste.
enfin bref. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité que j'ai pas commenté? Ah ouais, la 5G qui nous fait cramer comme les moustiques. Bon, après, hein, les études qui montrent que les ondes sont nocives pour le vivant, il y en a eu un paquet. Hein. Il suffit de voir l'état des plantes à côté d'un réseau, d'un émetteur Wi-Fi et celles qui sont isolées de toute forme de radiation. Le cas de cancer chez les mammifères qui ont été implantés avec la puce RFID. Bon, toute onde n'est pas forcément saine en plus. Hein. Ça agit directement avec notre cortex cérébral qui fonctionne justement avec l'électromagnétisme, donc manipulé par l'électromagnétisme que l'on ressent. Allez. C'est de la magie, le contrôle mental dans les rêves, tout ça, les ondes qu'on capte dans nos sommeils profonds et tout, au même titre que leur musique de décontamination basée sur des fréquences données. Et ben, c'est le même délire en plus subtil avec le réseau hertzien qui nous entoure. En plus, ça touche des couches plus profondes de la conscience. Bien sûr, hein, la 5G c'est de plus en plus nocif. Déjà, de toute façon, des cas de tumeurs cérébrales avec l'empilement des réseaux Wi-Fi. Si tu dois rajouter du débit en rajoutant de la fréquence, en rajoutant de la puissance, ça ne peut que empirer le phénomène, hein, et déjà, la sens des cerveaux ou la manipulation des cerveaux. Quoi. Toujours la même idée, hein. Faut se trouver une forêt, les copains. Alors, il y en a plein qui sont déjà dans la forêt, content pour vous. Hey, forêt, j'appelle une HP. C'est vrai qu'hier j'ai appelé plein de copains, j'ai oublié d'appeler une HP. Bisous, poteau. C'est du pipeau, la vaccination aussi. La fraude au nom. Ouais, je vais parler. Les relations hommes-femmes. Ah non, j'arrête. Je vais vraiment arrêter de commenter ma vie personnelle. Faire un truc, je vais déposer un son. Il y a un gars, on va quand même me parler de mon père. Il y a un gars qui est rentré en contact avec moi qui est tombé sur le 45 tours de mon père. Il m'a parlé de sa sème et tout un moment. Je vais vous partager les sons, tiens, avant de couper. Je vais peut-être en faire un générique de début et un générique de fin, tiens, avec ça. Ça, on verra à qui ça appartient. Bon, je vous fais des gros bisous. En errant dans la ville, triste et solitaire, ne sachant où aller pour rencontrer un ami, pensant à mon destin, à mon père, à ma mère, je me dis que j'ai raté ma vie. Je me dis que j'ai raté ma vie.
Si tu crois